let it go, let it go. Эй, Hugh Hefner, yeah, yeah, Hugh Hefner, yeah, yeah. Бля, у меня голос охрип. Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est FM Grant. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de la carrière Manager Zéro Talent. C'est-à-dire qu'on se retrouve aujourd'hui pour le match de championnat et le match retour de d'Eurocup 2. Donc, ça serait bien qu'on se qualifie. Donc, comme vous pouvez voir là, on a fait une très très bonne rentrée en Eredivisie avec une victoire 4-0 contre le NAC et après 6-0 contre le Slavia Prague. J'avais énormément peur de ce qui pouvait se passer, mais en fait ça s'est très très bien passé. On peut voir que voilà, là on va affronter William 2, donc je sais pas si on va faire tourner l'effectif ou pas. Étant donné qu'on a gagné 6-0, je sais pas si on va faire tourner, donc on va bien voir, hein. Écoutez, donc voilà, on est toujours premier de la Eredivisie avec le premier match. Bon, là on peut voir qu'on est passé deuxième parce que l'Ajax vient de gagner 4-1. Donc je pense qu'on va faire une très très bonne saison. On va faire une très très bonne saison, je n'en doute pas. Alors, tac, match à guichet férié à fermer, ça c'est très bien. On a ce qu'il faut, parfait. Gopel jouera un rôle, ouais. Ouais. On va lui donner sa chance, il nous fait des très bonnes rentrées. Donc du coup, je vais lui donner sa chance, il le mérite. On va faire plaisir aux joueurs quand même. Le but principal, ça va être de se qualifier là. Se qualifier et après, ça serait bien aussi, c'est sûr qu'on arrive à choper une place directe pour soit la Ligue des Champions, soit pour l'Europa League, donc on verra bien. Donc voilà, avant que le match commence, j'aimerais vous demander de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à laisser le petit like qui fait du bien. Donc bon, ça vous coûte rien et puis moi ça m'aide énormément, donc ça serait bien. En tout cas, je vous remercie d'avance, c'est très très gentil de votre part. On a passé les 100 abonnés, donc c'est une super chose. Ça fait énormément plaisir. Parce que bon, étant youtubeur, c'est la chose qu'on veut. Hein. Oula, ils sont en train de me faire une dinguerie. Ils vendent de tous les joueurs. Alors, finance, on va voir où on en est. Ouais, on est pas mal. On est pas mal, on a perdu un peu de sous à cause des recrues et tout ça. Mais bon, on a pu voir qu'on a fait d'énormes coups. Donc j'espère que ça va payer. Que ça va payer. Allez, ça, c'est bon. On est d'accord, combien? Oh, 5000, c'est pas mal. Allez, là, ça va être notre match. On est sur une série d'invincibilité, là. Je peux vous assurer que ça fait du bien. Ah, merde, il est blessé. On va le laisser, lui. Non. Voilà. Tac, Gopel est ici. Oscar et Brobe. Non, je vais enlever Oscar. Et je pense que je vais mettre... Putain, il est observé. Empoli, Spal... J'ai pas envie de le laisser partir par contre. Voilà, on va mettre comme ça parce qu'il y a beaucoup plus de relations entre l'attaquant et notre 10. Oula, on va baisser un petit peu le son. Tac, on va leur dire de rester sur la bonne lancée. Voilà, on va dire ça. Donc on peut voir que Demaker est blessé, donc c'est pour ça que Gopel fait son entrée. Allez, il faut pousser là. On va leur dire d'en demander, on va en demander plus. Pinas Villajun.
Ouais, pas de conneries les gars. Baker. Ouh, bien joué Baker. Perd pas le ballon maintenant. Ouh, bien joué. Oh là 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 là, c'est quoi ce cafouillage là? Comment c'est pas comme ça là? Ouh, bien joué, bien sorti. Allez, ils sont concentrés. Allez, en demander plus. On va se mettre en offensif. Oh putain, mais sérieux? Sérieusement, non? Ça c'est mal joué. Bien joué, bien dédoublé sur le côté. Allez, 5 points ça. Ah, on peut voir qu'on a de la fatigue dans l'effectif. On enchaîne les matchs en plus en ce moment. En ce début de saison. Allez, c'est bon, on va juste dire ça. J'espère qu'ils vont se remuer un peu. Allez, en demander plus. Oh là 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 là. Oh oui, bien joué. Oh là là, mais allez, récupère-moi ça, parfait. Allez, brobé. Oui, belle finition. But de Brian Brobé, le 8e de la saison. Donc on peut voir que ça commence très très fort pour lui. Il nous fait énormément, énormément de bien. Voilà, ça tire de loin. On va faire des remplacements. Allez, blessé. Voilà, ça c'est fait. On va sortir Aïe. On va faire entrer. Qui c'est qu'on va pouvoir faire entrer? Alors on va faire entrer Oscar. Gopel va sortir. On va faire entrer un petit Kayembe. Allez, c'est parti. Oh putain. Je viens juste de le sortir quoi, sans déconner. Bon, on va recommencer ça, hein. Là, voilà, ça. On avait fait rentrer qui? Kayembe. Kayembe qui va rentrer ici. Staines, Oscar, on est bon. Allez. Allez, un blessé en plus chez eux. Ouh, bien joué, bien suivi, 2-0. Allez, on félicite. Normalement, on repasse premier. On repasse premier. Ouais, voilà, on est repassé premier, donc ça, c'est une très bonne chose. Ouh, la patate de Oscar. Oh, quelle patate. Allez, pas prendre de but maintenant. Allez, on va se mettre en positif. Bien récupéré. Ça joue bien. Allez, Kayembe. Bien joué. Boum. Parfait. 3-0.
ça marche bien cette saison. Je la sens très très bien cette saison. Bon, il va falloir bien gérer aussi les remplacements et tout ça parce que on commence à avoir de la fatigue. Il va falloir que je la joue intelligemment. Fou, c'est bon, on prend pas de but. On est bien, on est bien. Ça va se terminer. Parfait. 3-0. 3-0, 3-0. On va leur dire que c'est très très bien. J'aimerais regarder aussi... Alors, qu'est-ce que c'est? Tac, 4 semaines. Oui, 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 oui. On va assister à ça. Ça, on va le féliciter. Hop là. Di Matteo. Derby Country. Ouais, mais non, il sera pas du tout à vendre. Il est pas du tout à vendre, 26 ans. Non, 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 il a encore beaucoup, beaucoup de choses à apporter à l'effectif, donc du coup, non, il est pas du tout à vendre. J'aimerais regarder ça. Un joueur est mécontent. Bon, c'est pas grave, bonne cohésion d'équipe. Et j'aimerais voir la vision du club. Ouais, bon, ça, c'est comme d'habitude, hein. Comme d'habitude. Ouais, bon, c'est pas grave. On va avancer. On est en train de perdre tous les jeunes. Donc j'espère que c'était pas des jeunes avec qui on voulait qu'on voulait garder pour l'avenir. Je pense pas. En plus, on est en train de regarder quelques pépites. Donc voilà, ça c'est bon. Et on va faire le petit match contre Prague et ça sera la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous, elle vous hype autant que moi. Parce que là, je vous assure, regardez, la série de 6 matchs sans encaisser ses 2 buts de l'ADO Den Haag, débuté le dimanche 30 mai 2021, constitue un nouveau record. On bat de ces records avec cette équipe. Honnêtement, je pensais pas que ça allait aussi bien marcher pour nous. Je commençais à avoir un petit peu de crainte. Et en fait, non, ça se passe hyper bien. Mais hyper bien. Non, franchement, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. On est au top du top, en fait. On est très très bien. Hop là, l'analyse du match, on s'en fout. On a mené 6-0 à l'aller. Il faudrait qu'on perde 7-1. Même pas parce que 7-1, on serait qualifié, donc 8-1. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc oui, petite information avant qu'on arrive sur le match. Comme vous avez pu voir sur Twitter, on va commencer une nouvelle série. Donc je sais pas où c'est que ça va nous mener. Mais ouais, on va commencer une nouvelle série. Donc ça va être la carrière FC YouTube. On va commencer notre carrière dans notre club. On va créer un club en National 2 ou National. J'ai commencé un petit peu, je me suis un petit peu amusé à faire les maillots, à faire les relations. En tout cas, on va faire ça. Et en fait, on va continuer, on va faire notre club. Et
Et en fait, ce qui va se passer, c'est que on va tout faire pour déjà arriver en Ligue 1, ça va être le choix premier. Et après, pouvoir s'installer dans la durée, c'est-à-dire rivaliser avec les plus gros. Rivaliser avec les plus gros et gagner une Ligue des Champions si on le peut. Donc j'espère que ça va vous hyper parce que moi ça me plaît. Rien que d'y penser, ça me plaît. Hop, l'attaque. Pinas, Faes. Pinas, il va être au repos un peu. On va mettre Hooks. Androni Lopez. Heiberger. Ouais, on est bien, on est bien. On est bien. Là, je vais le changer. Qui c'est que je vais pouvoir mettre? Non, Evan Rottier, non. Non, eux, ils vont revenir, donc c'est très bien. On va laisser comme ça. On va laisser comme ça et on va partir pour le match. Allez, c'est le début. Ouh là 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 là, j'aime pas quand ça commence comme ça là. Parce que bon, on a mis quand même l'équipe 2. Ça serait bête qu'on se prenne une remontada. Bien joué, Androni. Tahiri. J'allais dire qui lance Siku. Oscar. Ou ça au-dessus, mais c'est pas grave, c'est bien joué. On demande des pouces. Allez, Gopel. Allez, il y a moyen de faire quelque chose. Boum. Oui, c'est parfait. Parfait, parfait. 7-0 déjà. Il y a un truc qui marche, mais de feu de Dieu dans cette compo. Parfait. Taïri qui est monstrueux. Parfait. 2-0. On est bien, on est très très bien. Je pense que le prochain match de championnat, déjà on va sortir Faes. Et on va mettre le nouveau défenseur qu'on a acheté là, celui de 30 ans. Voilà, oublié. Parce que Faes commence à être fatigué. Stinch, ça va être pareil, il va rester sur le banc. Ouh, la passe manquée. Enfin, la touche manquée. Allez, récupère-moi ça. On va avancer un peu. C'est au fond. C'est au fond. 3-0, c'est pas mal. Bon, on peut que féliciter là. Là, si ça continue comme ça va finir en 15-0. On fait un bloc. Mais 3-0 à la mi-temps, on est pas mal. Honnêtement, c'est le scénario rêvé. On pouvait pas rêver mieux.
plus avec l'équipe B, on va dire. Donc c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Là 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 là, c'est mal joué ça. Allez. Contre-attaque. Ça va finir au fond. Voilà. On est qualifié dans tous les cas, donc bon, faudrait qu'ils mettent 8 buts. Oh là 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 là, déjà ça va faire 2, et voilà 2. Ouais, ils me font n'importe quoi. Carton rouge, voilà. Allez, on va faire changer. Hop là. Tac, tac, tac. Lui, on va le mettre. Attendez, qu'est-ce qu'il joue? Centre. Hop là, donc Oscar va se reposer un peu. Brobé, il va rentrer. Lui, il va rentrer aussi. Et on va sortir Faes. Voilà, on va faire comme ça, le reste vont rester. Putain, il vient juste de rentrer, Pinas, il a déjà un carton jaune. Sans déconner, il cherche quoi là? Bon, mais 3-2, c'est pas mal. On va remettre ça correctement. Dans tous les cas, on a gagné, on est qualifié. Ouh là 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 là. Allez, c'est au fond. 4-2. On est sûr d'avoir gagné ce match. Parfait, parfait, parfait. Hop là, attendez. On va faire un petit truc là. On va faire ça là. Petite capture d'écran. Je sais pas si vous avez vu à l'écran. Voilà. Tac. On va leur dire qu'on est très content. C'est pas le moment de leur en foutre plein la tête. Alors, confirmation de la victoire. Bon, ça on le sait. Allez, tac, tac, tac. Tac, tac, tac. L'équipe de formation, tac, tac, tac. Ouais, ça serait bien, ouais. Le Lech Poznan. Très bonne équipe aussi. Très, très bonne équipe de Pologne. Mais bon, je pense que ça peut... Ça peut le faire, ça peut le faire. Bon, qu'est-ce qu'on a comme match là? Tac, 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 on va aller dans le calendrier. Il n'y a que du vert. Honnêtement, on est en train de faire une saison monstrueuse. Ah ouais, on va voir Utrecht et Lech Poznan. Le match contre Vitesse. Utrecht va être un très très gros match à faire. Donc ça, on se le réservera pour la prochaine vidéo. En tout cas les gars, merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'engagement que vous avez apporté à la chaîne. Et n'hésitez pas à vous abonner, à laisser le like et un petit commentaire. C'est très important pour moi et ça vous coûte rien. C'était FM Grant. On se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao.